La série Game of Thrones est terminée depuis 4 ans. La dernière saison de la série a mis en haleine tous ses fans. La série américaine est l'adaptation des livres de l'auteur George R. R. Martin. Toutefois, l'auteur n'ayant pas fini son œuvre, les showrunners David Benioff et D.B. Weiss ont écrit ensemble le scénario final. Cependant, l'épilogue de la série fantasy n'a pas plu à tout le monde. En effet, le dénouement du parcours de certains personnages est resté en travers de certaines gores. Que ce soit les fans ou les acteurs, chacun y est allé de son avis sur la meilleure fin possible. Durant 8 ans, Game of Thrones a rassemblé beaucoup de fans. Les admirateurs ont suivi de près l'histoire du Trône de Fer. Cependant, beaucoup d'adorateurs de la série trouvent la fin de l'impitoyable reine très décevante. Lena Headey, l'actrice qui joue le rôle de Cersei Lannister, partage l'avis de beaucoup d'entre eux. En effet, la méchante reine et son frère jumeau Jaime décèdent dans les décombres du Donjon Rouge lors de la bataille finale. Dans une interview donnée au Hollywood Reporter, l'interprète de Cersei Lannister a confié ses fantasmes sur la fin de son personnage. Lena Headey, une fan alternative pour Cersei, l'actrice britannico-américaine qui interprète la reine cruelle, Cersei Lannister, partage une toute autre idée sur la fin de son personnage. Lors de son interview au Hollywood Reporter pour parler de son premier court-métrage en tant que réalisatrice, The Trap, Lena Headey avoue avoir pensé à une toute autre alternative. Je pense que nous l'avons tous fait, pour être honnête, parce que vous commencez à essayer d'écrire l'histoire vous-même. Et Maisie Williams, l'actrice d'Arya Stark, et moi avons fantasmé sur une confrontation entre Cersei et Arya. Qu'elle reviendrait sous les traits de Jaime. C'était notre rêve. Mais ils ont fait des choix différents, confie elle. Dans cette alternative, Cersei Lannister et Arya Stark auraient donc croisé le fer dans un combat à mort.